Face à l'adversité, quelle réaction choisissez-vous? La fuite, la boxe ou le kung-fu? En Occident, lorsqu'une énergie adverse vient nous perturber, on a tendance à fuir le problème ou à lui cogner dessus. Si on le fuit, il y a une probabilité qu'il revienne nous rendre visite d'une autre façon. Si on le combat en lui tapant dessus, il y a une éventualité qu'on se fasse mal quelque part. Quand on résiste à quelque chose, cela donne une présence plus grande à cette chose. En Orient, traditionnellement, on applique la stratégie du kung-fu. Cela consiste à accueillir à soi l'énergie adverse pour utiliser cette énergie pour en faire une force bénéfique. Alors, laquelle de ces réactions avez-vous envie d'utiliser ?